Salut à tous, c'est Dragon. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Donc, j'avais remarqué dans le dernier épisode que j'avais pas fait certaines missions. Donc, ça, c'est. Nos interrogatoires. Ça, c'est cette une mission fois, c'est la bonne. Demain, Tony C se réveillera derrière les barreaux. Oh, le gang ne va pas tomber tout de suite, c'est sûr, mais toute l'organisation se repose sur lui. Fais attention, c'est un pilote d'exception. Et moi, je suis un flic d'exception. Mais il y a peu de chances qu'il se promène sans escorte. Il ne se laissera pas faire. Bien reçu. Je serai prudente. Ok. Donc il y avait une mission de police que j'avais pas fait. C'est parti. Allez, on fonce. On va essayer de la rattraper. Ouh, il s'était mis en plein devant, il avait fait exprès. Oh bon, il a bien visé. Ah non, ça n'a pas marché, évidemment. C'est pas gentil, ça, ça n'a pas marché. La dernière ligne droite avant la victoire, elle est pas si droite que ça. Tu commences à me chauffer, Tony C. Lâche rien, tu y es presque. Ouais, là je vais rien lâcher. Allez, allez. Oh, non, 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 non. Je perds le contrôle. Encore un cadeau de l'adversaire, ça. Yes, je t'ai eu. Je t'ai eu. Tony C, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence, vous avez le droit à un avocat, si... T'en fais pas, Clara. Je crois qu'il connaît ses droits mieux que n'importe quel accro de série télé. Pourquoi pas. Donc, on l'a où? En or, ok. 30% de plus. Donc, on va déjà essayer de faire un peu toutes les missions qu'il y aura à faire. Parce que j'avais vu aussi qu'il y avait quelques courses de... Drag, il me semble, super et une boulot, autre. Clara. Les Harvesters ont pris un sacré coup et sont plus affaiblis que jamais. Certains de leurs partenaires qui passaient par eux pour recruter commencent à les lâcher. On y est presque. Y a pas d'autre des fois. Il y a une platine qui a une mission sérieuse. Ok. Ok, alors ben il n'y a pas d'infos. Si je mets infraction des fois. Non, il n'y a rien de nouveau. Par contre, on se mit. Oui, il y en a au moins deux. Gagné. Il y en a une qui est ici. Plutôt une un peu plus là. Là. Quand on y va directement pour l'entraînement de drag. Et l'autre, je sais plus, je crois que c'est pareil, c'est du drag aussi. Malheureusement, c'est que j'ai pas encore un véhicule de drag, ni monster, j'ai que drift. Ouh. Une course? Pas mal. Oh, c'est tout, on est tout seul. Oh, c'est pas drôle. Et mince. Allez, un petit coup de nitro. Là au moins ça roule. Ça au moins c'est de la voiture. Allez, prochain run. Allez, c'est parti, et là on fonce. On fonce, on fonce. Pas des 500 km/h, c'est bon, on a déjà passé 500.
C'est vrai qu'en termes de vitesse, là au moins on roule bien. Ça c'est cool. Allez. Mince. Allez, un petit coup de nitro. Là, on est à 520, c'est parfait. Pas mal la petite voiture, franchement, je l'adore. Ok, on passe à la suivante. Qui se trouve à l'autre bout. Ici. Monster Arena. Ok. On l'avait pas déjà faite celle-là au tout début? Il me semble qu'on l'avait faite au tout début du jeu celle-là. Alors ça remonte un moment. Hummer H1 Alpha. What? Un Hummer? On n'avait pas commencé déjà avec... C'était quoi déjà comme voiture? Une Fiat? Ah ouais. Pas mal, ça change. Où est-ce que ça m'emmène? Oh oui, par là. Oui, oui, oui. Il y a souvent de bons trucs ici. Voilà. Ah non, 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 non. Oui, je t'ai eu. On va faire toi. 1000 points de plus, ça c'est parfait. Ça c'est parfait aussi. Parfait. Non, non. Ah, pas possible ça, j'étais presque. Allez. Vache. Reste 30 secondes, je le sais. Allez. Bon, on est pas mal.
16 000. C'est pas mal. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Donc il y avait déjà ces petites courses qui ont déjà été faites, les infractions aussi. Bon, les quêtes, je les ferai peut-être une prochaine fois. Je vais essayer de continuer sur domination en or. Ouais. On a quoi ici? Battre le boss. Pourquoi pas? La tendeur toquée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Toi tu es en dirt. Street, mais ici c'est fait. Ok. Perf. Je vais venir ici, mais je pense que là c'est dirt. Ah, street, non. Tout rien. Ah. Ça c'est les courses en ville, c'est vrai. En street, street, street et street. D'accord, donc il y en a encore quelques-unes, c'est vrai. On va aller là. Non, voyage rapide parce que je vais pas prendre cette voiture. On va en faire quelques-unes. Hop. Voilà, c'est la MX5 qui est la plus faible. On va faire quelques courses à la platine. Ce serait peut-être pas si mal. Oh, celui-là on l'a déjà fait. C'est vrai. Bon, on essaiera de faire mieux. On a établi un temps sur ce parcours. Je veux juste savoir si cette nouvelle caisse tient la route. Alors pousse-la. Ok, on va la pousser. Parti un peu à l'ouest ici, ça va pas du tout. Allez, on met la sauce. Allez, comme ça, moi c'est fait. Comme ça, au moins la chute elle est faite. Voilà, encore une fois. Évidemment, j'ai tellement de chance. T'arrives au bout. Et voilà. Mais je suis pas en platine. En argent, c'est bien ça. Ouais, je vais essayer de la refaire. Vite fait. Sur ce parcours. Je veux juste savoir si cette nouvelle caisse tient la route. Alors pousse-la. Ok, on va la pousser. Là, voilà, ça c'est bon. Thank you.
c'est bon. T'arrives au bout. Ouais. Allez. C'est bon, je t'ai eu. Enfin la platine, ça c'est cool. Et comme par hasard, bien sûr, c'est toujours la même, mais bon, c'est pas grave. On va en faire une histoire. Ne vous inquiétez pas. On va peut-être faire une petite course ou deux, à voir, hein. Et après on va s'arrêter. Nous, on change, on pense, c'est la Cadillac. Et toi? Ah non, toi t'es en dirt. Excusez-moi, en termes de logique, c'est la Hammer, en street. Voilà. Appétit à Bart 500. Donc, on a quoi ici? Usurpation, Homer, le chauffeur. Sauf que ça, c'est une petite course. Domination. Sinon, après, ça va être vers là. Donc, ça va être les. T'es en dirt, ok. Tout ou rien, là on est en street, ok. Donc on y va. .212, oh ça va, on est au-dessus. Ça aurait pas être trop mal. Cette course est notre dernière chance. Si tu gagnes pas, on est mort. Mais pas de pression, hein. J'adore toujours faire la course avec une Fiat ou une Mini, ça me fait toujours autant rigoler. J'y peux rien, ça me fait toujours autant rire. Si tu gagnes pas, ils vont tous nous tuer. Surtout quand il dit les messages qu'on lit avec une Fiat ou une Mini, ça me fait toujours autant rigoler. Logiquement, les boss en souvent des grosses voitures. Et là, toi, tu te pointes avec une Mini ou une Fiat. Ouais, t'inquiète donc pas, j'y vais. T'as intérêt à rester en tête. Pour l'instant, j'ai une plus grosse puissance que. Ça aurait pas trop posé de problème. Aïe. Ça tourne plutôt bien. On n'est pas trop mal. Ah non, ouais. Elle a glissé. La petite Fiat, elle a glissé. Voilà. Tu te fais larguer. Mais non. C'est rien, j'ai eu des petits soucis de voiture, pas grand chose. C'est rien, sinon ça passe tout seul. C'est inquiété. On est juste à la moitié, c'est bon. Ben. Ne les laisse pas remonter. Bon, on devrait pouvoir se débrouiller.
Ah, on est 6 secondes d'avance, c'est pas si mal. Sauf que voilà, j'ai des problèmes de freinage. Là, on remonte bien, là, c'est bon. Là. Allez. On y est, c'est le moment de vérité. Et voilà. Bon, je suis pas sûr que je sois en platine, hein, franchement. J'irais plutôt argent. Voilà. J'ai raison. Donc on va essayer de le refaire. Et après je pense ouais, qu'on va peut-être s'arrêter là, tranquillement. Cette course est notre dernière chance. Si tu gagnes pas, on est mort. Ouais. Tu gagnes pas. Hop, il y a toujours la voiture là. C'est quinté, une mort de rue. Oh. Reste devant maintenant. Il s'en fout. Freine bien et l'autre. Il s'en fout, il m'a rentré dedans qu'ils ont fait. Ouais. En tête. Pour l'instant, je le suis. C'est là qu'il faut faire attention. Ouhou. Putain, là aussi, il faut faire gaffe. En fait, c'est partout en fait qu'il me fait gaffe. Je t'ai eu. Pousse-toi. Ça passe tranquille, c'est bon, ça passe aussi. Allez, ça c'est bon, ça c'est bon aussi. On y est, c'est le moment de vérité. Yes. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là sur cette petite course. Et on continuera le reste plus tard. C'est l'or, c'est pas mal. 30 de plus. Pas à négliger non plus, ça monte plutôt assez vite.
500, ça devrait couvrir la dette, non? Oh oui. Tu m'as sauvé la mise, mon pote. Maintenant, on n'a plus qu'à trouver le bâtard qui a piqué le pognon, et on lui fera bouffer ses tripes. Ouais, ben, ça, je te laisse le faire. Ça me fait toujours marrer, il roule comme un Hermine. Donc, on va s'arrêter là pour cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à commenter bien sûr la vidéo, n'hésitez pas à dire de ce que vous en pensez et de ce que vous aimeriez aussi voir, à partager la vidéo bien entendu, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.